Peggy 18. Certains spectateurs pourraient trouver les images qui vont suivre violentes ou choquantes. Vous voilà prévenus. Re-coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous allons poursuivre avec Michael, c'est parti. Donc là, on va se diriger tout simplement en bas. Vas-y mon petit. Donc j'ai vu un petit peu vos commentaires, donc le truc qui rapporte le plus à ce qu'on m'avait dit tout simplement, c'est le terrain de golf en fait. D'accord, bah, de toute façon il faut posséder 10 millions. Donc on m'a expliqué que c'est à la fin du jeu, tu pourras tout simplement obtenir le dernier braquage. Je suis quand même d'accord avec vous, mais c'est encore loin. Hein. C'est pour ça moi je voulais l'avoir tout de suite, histoire d'avoir un petit peu d'argent qui rentre immédiatement dans mon compte pour pouvoir en profiter pendant l'émission. Et bah malheureusement ce n'est pas le cas du tout. Bon c'est pas grave, mais ça aurait été sympa pendant le jeu quoi. En tout cas, on aura un petit peu de ressources, j'espère, pendant ce temps-là, parce que je sais pas combien ça va me rapporter. Donc je vais voir Lexter tout de suite, hein. Donc c'est lui que je vais essayer de voir en priorité là maintenant. Lexter est vraiment pas trop loin sur la zone. Bon, il est encore loin. Hein. Hop. Là, y a rien là-bas si tu vas tout droit. Ça sert à rien de faire un petit tour par cette zone. Je vais me diriger tranquillement là-bas. Ah, comme ça, on va essayer vraiment d'être très riche d'entrée de jeu. Si c'est techniquement possible pour l'instant, non. Parce qu'il faudra quand même que je patiente. Ça ne se fait pas en deux secondes. Hein. C'est ce que je vous avais expliqué, c'est que des fois, on aimerait bien avoir les choses tout de suite. Mais il faudrait juste patienter. Bon, j'ai explosé le truc. Bon, je regarde un truc. Lexter, t'es où en fait, toi? Ah oui, t'es tout simplement là. Donc le B, c'est quoi? Moi, tu sais quoi? Attends, B, FBI, Michael, la maison... Attends, Michael, je crois que c'est la... Attends. C'est quoi ces trucs? Je crois que c'est la mission, ouais, c'est ça. Attends, tu sais quoi, on va pas s'embêter. Attends, parce que là, je crois qu'on a eu un problème. Le chauffeur de taxi, malheureusement, il est mort. C'est pas de ma faute, hein. C'est pas moi qui l'ai tué, hein. Faut pas m'en vouloir, hein. J'aime bien comment la nana, elle a crié derrière. Help me. Donc lui, je pense, si je rentre dans son taxi, ça va le faire. Hello. C'est bon, oh, plus vite comme ça. Hein. Pourquoi s'embêter à faire du chemin? En fait, il m'a envoyé où là? Eh, tac. Oh, il y a l'argent, il y a l'argent. Bon, bah là, malheureusement, ça sera mal barré. Oh, j'aurais d'abord dû tirer sur les pneus. Vite, le fourgon body, c'est la meilleure chance que t'as, on va dire, au niveau argent, quoi. Attends, je vais le rattraper en deux secondes, ce fourgon. C'est ma tirelire, là, attends. Voilà comment se faire de l'argent vite. Oh, c'est long, le temps que tu démarres, il va disparaître. Ouais, merde, il a disparu. Par contre, les étoiles n'ont pas disparu. Hein. Quel dommage, pour une fois que je vois un fourgon. Ah, dommage. Faudrait que je m'équipe aussi avec des bombes collantes. Tu montes avec moi, poupée? S'il te plaît. Ah, t'aimes pas dès qu'il y a la police, hein, je comprends. Bon, finalement, en fait, on a pris un taxi pour rien. Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai encore dû déconner quelque part. Hein. Bon, pour aller chez Malke, je vais passer par là. Je vais pas m'embêter. Mais sinon, je vais encore poursuivre. Vous allez dire, mais Body, qu'est-ce que t'as encore osé faire? Bah, écoute, je sais pas. Je suis désolé, mais j'aimerais bien passer par là, s'il vous plaît. Vous inquiétez pas, les flics, dans quelques instants, ils vont nous dire bisous. Au revoir. Si je roule un peu plus doucement. Eh, c'est dur de les faire disparaître ces étoiles, hein. C'est dingue. Hein. Coup de chance, hein, parce que franchement, ils étaient juste devant, en train de déjà tourner. Oh, les pleins phares, c'est excellent. Je suis désolé, mais j'aimerais bien passer par là, monsieur. Ouais, bon, on va essayer de voir directement qu'est-ce qui se passe dans la maison de Michael. On va essayer de vraiment profiter pleinement de ce jeu de taré. Je suis désolé, mais j'aimerais bien passer. Ah, ils me font marrer avec leurs conneries, sincèrement. Donc là, oh là là, comment il va vite lui? Oh là là, il s'est carrément enflammé. Complètement même. Oh non, c'est pas vrai.
Pas bon, pas bon. Faut pas faire ça comme ça, monsieur. Donc c'est bon, Michael, il est tout simplement dans cette allée. Après, on va essayer de plus tard acheter une villa pour Michael. Je suis pas certain qu'on peut, mais on va voir. Sinon, pour l'instant, je suis vraiment pauvre. C'est bon, on rentre chez nous. Ouais, avec l'arme... avec l'arme en question. What is wrong with you smoking in my house? You know, ever since that psychotic pal of yours turned up, you've turned into an even bigger asshole. Thank you. Your support in my difficult times means the world to me. I've supported you. I left everything to come here with you, and still that crazy bastard turns up. I'll handle it. How? I don't know. Oh, you know what? Just keep him away from me and the children, you low-life, whoremongering asswipe. Did someone say yoga? No, I think she said whoremongering asswipe. Hello, Fabian, darling. Namaste, Amanda. Are we ready to practice? Yes. Oh, yes, she's very centered. A regular oasis of peace and tranquility, this one. With anger issues and worse friends. No wonder I'm so upset. You too, please. Namaste. We practice. Miguel, join us, please. No, please, no. No, no. The yoga is for sharing. Come, come, Miguel, come. Awesome. So, Fab, if you can make me as happy and mellow as my wife, it'll be a job well fucking done. We are all on our own journeys, Miguel. Yeah, no doubt. So why is she driving a tank on hers? Perhaps to deal with your hostility, Michael. Now here is good. We have the sun and the moribunda. The asshole. Now we begin and put the asshole to the earth. Yes, we begin each sequence. Tadasana. Yes. Or mountain pose. All right. Un, deux, trois. Mouth and anus are perfectly in line. Show him, Amanda. Un, deux, trois. It is perfect. Now, Michael. I don't know about this. Now, in through the bloated nose, and out through those wrinkled lips. Out with the breath. If we put him on a 6-month kale-only diet, he might just get healthy. Or die. Air through the nose and out the mouth. Strength, Michael. In the nose, out the mouth. Okay, Doc? Let it out. That is okay. This is gonna have to do. Now we will do something more complicated. Sometimes when I do this pose, I weep uncontrollably for hours. Oh, wow. You feel that? The emotion inside. Let it go. Michael, join us. I feel like I'm channeling bullshit right now. The silly man forgets to breathe. Let it out. You're turning red. Later you can show a stripper how flexible you are. Now, you breathe. Are you taking this seriously, or is this some elaborate way to get at me? You can breathe, can't you? Let it go. Keep this up and we might actually have a shared interest.
Breathe, Mikkel. I'm waiting for him to turn this into one of his episodes. I'm about to feel some emotions, all right. Remember, children, do not fear the unknown. We are the unknown. Show us, Amanda. I don't think Michael's up to this. He may surprise you. Plank. Plank. Chaturanga. Chatur. Yeah. Feel the flow. Everything is flowing in me. Mike, would you? I hope there is time for yoga to save you. Breathing is almost the most important thing, no? Out through those wrinkled lips. Fabian's body with your bank account would be the perfect man. Breathe, please, Michael. Can you thank us now for saving you from the couch? Your lungs, they work, yes? Out through the mouth. If it's too much, just go into child's pose. Take in the air and release it. Not bad. Breathing is almost the most important thing, no? Exhale. Lengthen. Strengthen. Breathe, please, Michael. Good. Your lungs, they work, yes? Just exhale, Michael. You have come a long way today, Mikkel. Yes, later you will cry like a baby. Yeah, right. His chakras are completely blocked. Don't worry about him. Show me the downward dog. I'm glad we have helped with your impotence, Mikkel. What'd you say? Your sexual energies have been blocked for too long. Back into my pelvis. Back. What? Back. Yes, there you go. Oh! What? Hey, enough of that! Yoga is the answer, Mikkel. But what is the question? Why am I such a moron? We are leaving and we are never coming back. Good! You are alone, you pathetic psychopath! Fuck you! And that phony French fucking yogi! Le pauvre, franchement, il a vraiment Jimmy, pas de bol. You still here? Où est-ce qu'il est, Jimmy? Donc, on va essayer de monter dans la maison. C'est vraiment abusé, quand même, ce James, yoga. Hein. Fuck off! Oh, yeah, fuck you! You know what? If there was a rape button, I'd be using it right now. Unless you're a faggot and you like that sort of shit, and then I'll just rape your mom and. Nice TV. Did I pay for that? Yeah, you smashed the other one, didn't you? All right, come on. I want to go for a ride. I gotta meet a friend. All right, so I'll go meet him with you. Come on, I want to get out of the house. I'm not going alone. Come on. This is fucking bullshit. Bullshit? Threatening to molest your online buddies is bullshit. They're not my buddies. They're the only people you speak to. Ah, l'Amanda, elle a pris sa voiture. C'est pas vrai, en fait, j'avais personnalisé la mauvaise voiture, moi. Oh, j'ai pas de chance, hein. So where's your friend? Burger shot. Careful, come on! C'est parti, on va manger un petit burger, là. C'est yeah, juste nice à côté, to see là. The kids are still hanging out at the burger joints. Me and the guys, we go down to the diner after class every day. You know, get milkshakes, fries. Ew, please. You know, you're really creeping me out. I'm trying to relate to you. No, you're trying to take me on some nostalgia trip. You're such a cliche. Oh, says the... What's wrong with you? Says the dope-smoking, game-playing, live-at-home, world-ozimolytic millennial. I knew it! The mask was gonna slip. The monster's been exposed. The hell are you talking about? The real you. That bitter,
you're a vindictive old man. You pretend you're being a father, but you hate me, don't you? I don't hate you, Jim. How many times... I love you. Look, sorry if I don't express that correctly, but why do you think we're here together? Because you're scared shitless of being alone? Oh, now you're an armchair psychologist, just like the rest of the city. You really have to meet my friend? Yeah, I really do. Then please don't get weird. For once in your life, don't be weird. There he is, the friendly neighborhood drug dealer. Yo, brother man, what's up? What's up, man? Good to see you. What are you turning tricks to pay for this shit, huh? Hey, who's the old man? It's my dad. Oh, all right, Mr. DeSanto. Yeah, you the kid selling Jimmy pot by the pound? Ooh. Ah, Jimmy, bro, your dad's funny, man. Come on, do this shit and let's get going. Oh, yeah, you got that other thing? Oh, yeah. Come on, man, what the fuck? Jimmy. Just hold on a second. Oh, all right, later on. Careful with that. Hey, let's bounce. Bounce. We're bouncing now. Is that what we're doing? Jesus fucking Christ. Hey, buddy. All righty then. Now what? Can we just get back to the house, please? Eh ben, dis donc, c'était du rapide, hein. So, want a drink? I'm driving. Because normally you're such a between the white lines, friend to the pedestrian kind of guy. Fine. Give it here. Oh, le cochon, celui-là. Okay, your turn. Maybe when we get home. Ah, who's the square now? I'm starting to feel a little woozy. You're fine. No. Really? This is not chill normal. Out. You're just paranoid. Les monteurs, je conduis super bien. Oh, les monteurs, je fais exprès d'aller. Eh, là, c'est même pas moi qui avance, c'est lui. Fou, je vais y arriver. From yourself. Also, I took money from your bank account and I'm moving out. What? You're too crazy, Dad. Jimmy! C'est quoi ces gamins là? Je me demande qui me traîne là. J'avais oublié ça. La planète des singes. Carrément. Ces extraterrestres là qu'on voit en fait finalement. Ah, ce que je me posais la question en fait. C'est ceux-là qu'on voit vraiment bien en fait après dans le mode réalisateur. Donc ils nous les auront mis en fait ces petits malins. Et je plane. On va où comme ça? Ça y est, se rappelle de tous ses problèmes le petit fou là. Tu crois? Si je m'éclate la gueule contre le bâtiment, il se passe quoi? C'est vrai qu'en solo, il n'y a pas de parachute, donc ça sert à rien d'aller sur la tour. Moi, je vais atterrir chez moi, perso. Heureusement, on sait où on habite. Attends, je vais même chercher une piscine. Tu sais quoi? Je vais me poser dans ma propre piscine.
pas facile. T'as eu de voir où on est là. Je suis un peu plus loin. Ah ouais, non, pas du tout, c'est par là-bas. Faut qu'on trouve la piscine là de Michael, imagine, c'est ça le défi. Donc le golf il est à côté. Le lac du golf il est où? Il est là. Pic. Bah c'était du rapide hein, quand même. Hein. En plus on atterrit pas là si. Jimmy. Même pas. Oh les ordures, j'ai pas apparu là, bande de menteurs, j'ai apparu sur le truc de golf. En plus je finis en pyjama, regarde. C'est fou de ma gueule hein. Prenons le vélo, c'est le seul moyen de locomotion que je dispose. Oh là, comment il roule pas. Oh, c'est pas vrai, qu'est-ce que t'as mangé? T'as mangé un grec ou quoi? Il est lourd. C'est pas vrai. Il est super lourd le petit Michael. Monsieur Michael, faut se dépêcher. Ah non, il galère vraiment. Il abuse. On va jamais réussir à faire quoi que ce soit. Hein. Heureusement que la maison elle est juste à côté. Bon, tu permets toi? Oh le gros tas. Oh le vélo, c'est quoi ce vélo? On dirait qu'il est bridé. À mon avis, oh là là, regarde, regarde, il a même pas d'endurance. C'est dans le garage à mon avis ou c'est tout en haut? Ah non non, j'ai point d'avoir ce véhicule après, hein. Ça va pas ou quoi? Ah là ça va, il court. Il n'aime pas le vélo. Michael, I think you've finally lost your mind. Your recent behavior and the company you've been keeping already had me very concerned. Now you've taken to attacking my Fabian, who is a close friend, and then Jimmy said you took drugs while driving him in your car. Well, we've decided to move out for a while. You promised me you'd change, and you haven't changed a bit. I know you say I always act like I'm in a movie. Well, this isn't that. I think I'm gonna speak to a lawyer. I'm just really confused. Please, don't try to contact us and try not to get yourself killed. Amanda. Fuck! Nous allons sauvegarder tranquillement. Donc le yoga est disponible. D'accord. Bon, avant ça, je sais ce que je veux faire. Déjà, je récupère ma voiture. Je crois pas que c'est la mienne. Là, ça devait être urgent. On va dire, tu veux aller où, Body? Ah bah, comme par hasard, il est plus là. Je voulais voir mon psy, en fait. Histoire de parler un peu avec lui, mais... Il a disparu, le psy. C'est pas vrai. Le psy a disparu de la ville, quoi. Qui était juste là il y a quelques temps. C'est quoi ça? On va tester, hein, on est juste à côté. Hein. Ah, le psy a complètement quitté la ville, quoi. Il en a eu marre de m'écouter. Mais sympa les extraterrestres. Hein. Franchement, même la planète des singes là. Donc, je comprends maintenant mieux d'où ils viennent en fait. Ouais, c'est ça, j'ai pas la voiture de papa, mais bien sûr. Pas de voiture, c'est pas mon problème. Hein. Mais franchement, t'as vu le gamin? C'est franchement une ordure quoi dans le jeu. Il a aucune pitié pour moi quoi. Ce qui est bien, c'est qu'on peut couper par là. Voilà.
Donc le plus riche, je sais pas c'est lequel joueur en fait qui aura le plus d'argent. Si vous me dites que tu peux acheter le terrain de golf, bah, je dirais que ça sera Michael le plus riche. Et en deuxième position, je dirais que ça va être Franklin. Et en troisième, bah, le clochard de Trevor, quoi. Attends, passons par là. On va rigoler un peu. Message for me, get off your fat ass. See, this exercise stuff's about as relaxing for you as it is for my wife. No, I don't want to sleep with you, and no, I don't care that I'm 39 and single. It doesn't worry me a bit. Easy. I'm not stressed out at all. Now go fuck yourself. Are you okay? Yes, I'm okay. Just fuck you. All of you. I'm on a run. Well, you seem a little upset. I could still run you into the fucking ground. Okay. Hey, I played high school football, all right, sweetheart? All state, QB. Whatever. Just don't have a coronary. Let's go! Oh bah, il va perdre son endurance, il va mourir à la fin, vous allez voir. Okay, ma'am boobs, race you to the beach! I don't know who I'm more embarrassed for. You're not exactly dressed for cardio. It's running! How much gear do you need? Le tricheur de body. Je m'en fous, je coupe le virage. Comment économiser des mètres? Oh, j'adore le bonhomme, il a fait du moonwalk sur place. Ça y est, je commence à sentir l'endurance qui commence à me poser défaut. On va où comme ça là? Allez, malin. Ça aurait été marrant de mettre ça en multijoueur en fait. Bah, comme ça, les mecs là qui font que des courses, bah en fait, ça m'aurait été sympa de. Oh lolo! Comment tu peux vite te ratamer la gueule ici? Amateur, en plus, il se fout de ma gueule. Attends, je peux pas lui mettre une cacahuète? Il court même plus? Ah, si, c'est il court. En fait, il courait pas dans les escaliers. You should really think about behavioral medication. Okay, here we go. Last push. Ah, les tarés là! Mets les patates! C'était une patate à sa gueule. Bah, en fait, je voulais voir si ça allait marcher. On recommence. Bah écoutez, hein, des fois ça peut être marrant. Hein. Bah non, j'ai mémorisé le circuit. Je sais qu'il est taré. En fait, il a du mal à passer les escaliers. Quoi. T'as comment une gueule, elle est fatiguée ou quoi de la vie? Et normalement, c'est de la tricherie, elle est bien derrière moi, on est d'accord. You make me feel well adjusted. Run on the road, take that traffic head on. Elle est derrière moi. Hein. Elle est même pas censée me dépasser là. Si je me loupe pas, c'est ici que je me suis fait. Dégage toi. On est pressé. Regarde, c'est là qu'elle me rattrape en fait. En tout cas, je me ferai pas dépasser deux fois. Hein. Ah, en plus, on gagne de l'endurance. Elle me dépassera pas, hein, regarde. En plus, je suis mieux que tout à l'heure. Ouais. Comment elle gueule, elle. Vas-y, tu vas réussir. Oh, la ligne d'arrivée, elle est juste en face. My shrink's office is right near here if you want to work through some of that shit. Yeah, because you're a walking advertisement for therapy. Oh, ça y est, je tombe dans l'endurance rouge. Not too shabby, huh? You can have that one on me. I never got out of second gear. I already did a 10K today. Yeah, whatever gets you through it. Oh, my chest. Fuck me! Screw you! You're lucky I'm tapering for a try! Tiens, on va se faire une nouvelle copine, on va essayer de voir. J'ai jamais fait des trucs avec elle. Ah, ça risque d'être cool. Donc voilà les amis, donc on va se retrouver pour la suite, pour le prochain épisode. Qu'est-ce qui va nous réserver encore le prochain? A tout à l'heure, prenez soin de vous, votre feuilleton préféré. A bientôt.
Voilà les amis, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a fait plaisir. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout, merci pour votre fidélité. Et pour les simples visiteurs qui ont découvert ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner si bien sûr vous le souhaitez. Ça vous permettra d'avoir pas mal de vidéos qui vont arriver très prochainement sur pas mal de jeux différents. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Tous les liens sont dans la description. À bientôt les amis, prenez soin de vous et à très bientôt.